Bonjour tout le monde, heureux lundi, heureuse semaine. Quelle belle couleur ce sac de petits pois verts congelés avec la couleur de mon pull. Je trouve ça très inspirant. Mais honnêtement, ce n'est pas pour m'inspirer ce petit sac de pois glacés, mais pour me soigner. Je me suis blessée. Alors, je me suis blessée dans le dos. En prenant une très grande toile, j'ai fait un mouvement de torsion et je me suis blessée au centre de mon dos. Ce qui donne l'impression d'avoir une entorse lombaire, mais en fait, je ne sais pas trop. Je me fais soigner en ostéopathie en ce moment et massothérapie. D'ailleurs, dans quelques minutes, je vais recevoir, la table à massage est prête ici. Je vais recevoir un soin dans mon atelier. J'ai de la chance. Alors, mon corps me dit « Martin, tu as besoin de te reposer. » Bon, mais alors, il y a différentes façons d'enseigner. On peut enseigner le bonheur par la peinture, mais on peut aussi enseigner le bonheur en disant « Prenons soin de nous. » Toujours la performance, hein, c'est quand même quelque chose. Hein. Alors, à un moment donné, le corps nous dit « Toc, 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 toc. » Il vient frapper à notre porte et nous dit « Là, je crois que tu es vraiment fatigué. Il faut que tu te reposes. » Alors, je prolonge ce moment de congé. Plusieurs pensaient que j'étais en vacances, mais je n'étais pas en vacances. En fait, j'ai pris congé de vidéo parce que j'ai énormément de commandes spéciales. J'ai de la difficulté à prendre le dessus et à réaugmenter, remplir cet inventaire qui a diminué au niveau de mes tableaux à la galerie d'Art Beauchamp. Alors, je voulais prendre une semaine pour prendre le dessus. Mais à la fin du compte, on m'a stoppé. Alors, le sac de petits pois verts retourne dans mon dos. J'attends mon ami qui vient me faire un massage. Et puis, je vous donne rendez-vous lundi le 22. Je suis désolé, je me fais attendre. Mais il faut que je me repose. Et je garde le sourire, la bonne humeur, mais honnêtement, j'aimerais pas trop vous démontrer comment je marche en ce moment. Je fais vieux. Ça me prendrait une grue pour me sortir de mon lit et je marche à quatre pattes. Alors, je vous donne rendez-vous lundi le 22. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Et vous aussi, écoutez votre corps si votre corps vous envoie des messages. Alors, on se dit à très, très vite.